Bienvenue dans ce nouveau webinaire du CNCH. Nous avons le plaisir de recevoir le professeur Defay qui, comme l'année dernière, a accepté la difficile mission de nous faire un overview de l'essentiel de l'arythmologie et la simulation cardiaque en 2023. Bonjour Pascal, merci d'être avec nous. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Voilà, donc on va te laisser la parole. Walid Amara nous rejoindra. Et donc merci de nous traiter. Ce sujet. Merci, merci beaucoup Jérôme et merci de m'accueillir dans votre webinaire du CNCH. Donc je vais en, je dirais, 20-25 minutes, hein, peut-être moins, vous montrer un petit peu ce que j'ai retenu moi en 2023 dans le domaine de l'arythmologie et de la stimulation cardiaque. Alors j'ai fait un plan. Je vais vous parler de FA et déclin cognitif, de démence, vous voyez qu'il y a encore du nouveau. Je vous parlerai de beaucoup d'ablations. Il y a une étude qui montre que par l'ablation précoce, on réduit, on diminue la progression de la fibrillation atriale. Je vous parlerai des nouvelles énergies dans l'ablation de la FA. On en a déjà parlé l'année dernière, mais je pense que cette année, il y a encore plus de raisons d'en parler, de l'électroporation, ce qu'on appelle la pulsed field ablation, qui devient vraiment l'énergie de référence dans l'ablation de la fibrillation atriale. Je vous parlerai également d'une étude qui a fait du bruit, c'est l'ablation de la FA dans l'insuffisance cardiaque en phase terminale, c'est un peu surprenant. Je vous parlerai également de deux grandes études qui ont été publiées en cet automne sur l'anticoagulation de ce qu'on appelle la FA infraclinique, c'est-à-dire la FA détectée par les appareils implantables, pacemakers, défibrillateurs ou moniteurs implantables. Je vous parlerai également d'une grande thématique dont on a déjà parlé l'année dernière, mais qui a encore fait parler d'elle cette année. C'est la stimulation du système de conduction, la stimulation physiologique et notamment la stimulation de l'air de la branche gauche. Et je vous parlerai également d'une étude qui a été publiée cette année sur la stimulation double chambre sans sonde. Vous voyez, c'est assez varié. Alors d'abord, FA et démence, vous savez qu'on en parle beaucoup. Les patients qui sont en FA par rapport aux patients qui ne sont pas en FA seraient plus soumis à des détériorations cognitives, voire à des démences. Mais qu'ici, c'est une étude importante, une étude qui n'est pas une étude randomisée, mais une étude publiée dans le Journal American Heart Association en cette année 2023. Et qu'il y a 196 000 patients, plus de 196 000 patients adultes qui sont en fibrillation atriale et qui ont été appariés, hein, avec plein de critères d'appariement. Donc, c'est des patients semblables selon qu'ils sont sans ou avec FA, et vous voyez que quand on regarde le suivi jusqu'à 10 ans de cette population, de façon significative, de petit p significatif, les patients qui font de la FA sont plus soumis, ont plus de risques d'avoir une détérioration cognitive et de la démence. Donc on en parle, mais il y a quand même de plus en plus d'études qui vont dans ce sens-là. Il y en a d'autres, hein. Il y a cette étude publiée dans. Alors, vous ne connaissez pas cette revue, mais c'est une revue avec un excellent impact factor, c'est la revue de référence de gériatrie. Où là, en fait, c'est un petit peu différent. Il y a plus de 20 000 patients qui sont appariés. C'est des patients qui ont fait de la fibrillation atriale. Et de ce côté-là, sur le côté gauche de ce schéma d'hazard ratio, vous avez les patients qui ont eu une ablation. Et en fait, 40 000 patients en tout, 20 000 patients appariés de chaque côté. Et en fait, les patients qui ont une ablation, eh bien, ils ont beaucoup moins de risques d'évoluer vers la démence que les patients qui n'ont pas eu d'ablation. Et ça a des implications, puisque on voit le bénéfice potentiel de l'ablation pour diminuer le risque de démence. Et ça, on le retrouve dans à peu près tous les sous-groupes de population de cette étude. Donc, c'est important déjà d'avoir des éléments. Alors, ce n'est pas randomisé, mais c'est des éléments en faveur de la diminution de l'évolution vers la démence quand on fait une ablation de fibrillation atriale à ces patients. Et vous avez une autre étude qui a été publiée également, alors dans l'EuropES, qui est la revue européenne de rythmologie. C'est une revue maintenant qui a un très bon impact factor à plus de 5, hein, donc c'est une des meilleures revues de rythmologie au monde, où en fait vous avez ici aussi un appariement. Vous voyez 136 patients appariés avec à peu près 68 000 dans chaque groupe, selon qu'ils font de la FA ou pas de FA. Ça, c'est l'évolution vers la démence à 5 ans, avec beaucoup plus pour les patients qui sont FA, et également
quand on ablate ces patients, semble-t-il, on retrouve le pronostic de patients qui ne font pas de fibrillation atriale. Donc, vous voyez que, il y a beaucoup d'éléments, il y en aura de plus en plus, en faveur de l'ablation de fibrillation atriale et en faveur de l'ablation comme diminuant le risque d'évolution vers les déclins cognitifs. Alors, également cette année, il y a une étude sur la progression de la fibrillation, je vais trop vite, voilà, une étude sur la progression de la fibrillation atriale, et ça c'est sur la cryoablation, il ne faut pas oublier cette énergie qui est la cryoablation. Alors c'est le suivi à long terme d'une étude qui s'appelle EARLY-AF, qui était au départ une étude qui avait évalué l'ablation, la cryoablation précoce en première intention de la fibrillation atriale, mais quand on suit ces patients au long cours, eh bien, on voit qu'en fait, je vais trop vite. On voit qu'en fait, sur un suivi qui est à peu près à 5 ans, on a une diminution de l'évolution vers la FA persistante. Donc en fait, en faisant une ablation tôt aux patients, on diminue le risque que ces patients évoluent vers la FA persistante. C'est une étude qui est très bien conduite puisque ces patients avaient tous un moniteur implantable de type Reveal. Donc, importance de l'ablation pour diminuer le risque de démence, importance de l'ablation précoce pour limiter l'évolution vers des FA beaucoup plus difficiles à traiter et notamment vers l'évolution vers la FA persistante. Alors, on va parler de l'électroporation. Vous savez qu'il y a plein d'énergie dans l'ablation de la fibrillation atriale et il y a des nouvelles énergies, des nouvelles technologies. Vous avez ces nouvelles technologies ici. Alors, vous avez des nouveaux systèmes de mapping, vous avez la radiofréquence, vous avez la cryo, tout ça, c'est pas nouveau. Et depuis à peu près un an et demi, on voit apparaître une nouvelle énergie qui est l'électroporation. Alors, pour l'instant, on n'a pratiquement que des études avec un système qui est le système Parafarapulse de Boston, mais cette année, on a vu publier des études sur d'autres systèmes, puisque toutes les grandes compagnies qui travaillent dans notre domaine de l'arythmologie vont arriver avec des systèmes d'électroporation, et donc on va pouvoir un petit peu comparer tous ces systèmes. Celui qui arrive le plus précocement, bien entendu, c'est le système Farapulse avec ce cathéter en fleur, mais il y a d'autres systèmes ouais, avec d'autres types de cathéters. Ça, c'est un espèce de grillage, c'est le système Aferrad Medtronic qui arrive, et puis ça, c'est d'autres systèmes. Hein. Je vous rappelle que, pour ceux qui ne connaissent pas bien, que les deux énergies historiques de l'ablation, que ce soit d'ailleurs l'ablation de l'AFA que d'autres types d'ablation, c'est la radiofréquence, hein, qui est une brûlure, c'est le bistouri électrique, ou alors la cryoablation, c'est le froid. Alors les inconvénients, c'est des systèmes qui ne sont pas très spécifiques du tissu myocardique et qui a quelques effets secondaires. La radiofréquence, il faut faire attention quand on va faire plus que les veines pulmonaires. Les veines pulmonaires, il faut faire attention aux sténoses des veines, mais il y a également les fistules atrio-œsophagiennes, notamment quand on applique la radiofréquence sur la paroi postérieure. Donc ça, c'est des complications gravissimes. Avec la cryoablation, il y a moins de complications, mais on ne peut faire que les veines pulmonaires. Et il y a des risques simplement pour le nerf phrénique droit. Vous savez qu'il y a un tout petit risque de paralysie du nerf phrénique droit. Et on a une nouvelle énergie maintenant qui est extrêmement séduisante, qui est une énergie non thermique, vous savez, qui est l'électroporation. Hein, c'est des champs et c'est un champ électrique qui est délivré entre deux pôles d'un cathéter, qui induit une électroporation cellulaire avec une extravasation du liquide intracellulaire, donc une fibrose de cette cellule ensuite. Et l'intérêt de cette technologie, c'est qu'elle semble très spécifique du tissu myocardique et qu'il n'y a pas de lésion des organes adjacents et qu'il n'y a pas de sténose de veine pulmonaire, il n'y a pas de paralysie phrénique, il n'y a pas de fistule atrio-œsophagienne. Vous verrez qu'on découvre quand même quelques complications imprévues, mais qui pour l'instant sont relativement grave, mais qui ne menace absolument pas le pronostic vital. En tout cas, c'est une technique qui semble vraiment extrêmement séduisante. Et l'énorme avantage, c'est que c'est une technique qui est très courte, hein, pour faire une isolation des veines pulmonaires. En une demi-heure, on a fait une isolation des veines pulmonaires. Et pour l'électroporation, cette année, on a un certain nombre d'études qui ont été publiées. Il y a des grands registres. Il y a ce registre qui s'appelle Manifeste PF. Vous voyez qu'il y a 1600 patients dans 24 centres européens. On voit que les taux de succès sont élevés, 80% à peu près de succès ici à moyen terme. Et également, on voit que cette technologie, elle est très efficace pour la FA paroxystique, mais également très efficace pour la FA persistante. Et dans cette étude, il y a ce qu'on appelle long standing persistante avec des FA qui durent plus d'un an. Et en fait, sur les effets secondaires, il n'y a pas d'effets secondaires graves, hormis des effets secondaires liés au cathétérisme, bien entendu.
Et puis, en fait, il y a d'autres études qui ont été publiées cette année avec d'autres systèmes d'électroporation. Hein, vous avez ici, à l'automne, a été publié, enfin, il y a à peu près 6 mois plutôt, a été publié le système de Biosense qui s'appelle l'Inspire, avec, vous savez, c'est une sorte de lasso sur lequel va être délivré de l'électroporation, avec également des taux de succès extrêmement importants, peu d'effets secondaires. Et des procédures extrêmement courtes. Et vous avez ici également le système de Medtronic qui s'appelle avec l'étude Pulsed EF et qui vous montre également, voilà, c'est le cathéter. Hein, et ceux qui connaissent ces cathéters, c'est une technologie qui est tirée d'un ancien cathéter. Certains industriels recyclent des vieux cathéters. Un cathéter qui s'appelait ablation de frontière et qui est réutilisé pour faire de l'électroporation avec un taux de succès un peu moindre ici, mais ils ont fait une étude très obsessionnelle avec un suivi extrêmement précis. C'est peut-être pour ça que les taux de succès sont un peu moins bons. Et puis il y a également, et ça c'est important, la grande étude, alors qui a peut-être un peu déçu, qui est une comparaison. Vous voyez que c'est l'étude qui compare, c'est la première étude randomisée qui compare l'ablation par électroporation à l'ablation thermique. Et dans ce groupe ablation thermique, il y a de la radiofréquence ou de la cryoablation. C'est uniquement des isolations des veines pulmonaires. Ben, on s'attendait peut-être à une supériorité de l'électroporation, mais c'est non significatif entre les deux. Simplement, l'avantage, c'est qu'il y a moins d'effets secondaires graves dans le bras électroporation que dans le bras énergie thermique, et que les procédures sont beaucoup plus courtes dans le bras électroporation. Alors pourquoi c'est un peu décevant? Probablement parce que les centres qui faisaient de l'électroporation, c'est une étude qui a été menée aux États-Unis, et en fait, c'est des centres qui ne faisaient pas de l'ablation qu'on appelle one shot, pas forcément de l'ablation one shot, qui débutaient leur expérience avec cette étude. Et je pense qu'il faut une learning curve normalement avant d'évaluer dans une étude et dans une étude randomisée. Mais en tout cas, il y a, dans cette étude, il y a peu d'effets secondaires. Juste un petit mot, parce que c'est notre équipe qui a retrouvé cet effet secondaire, et on voit bien qu'en fait, avec toute technique, rien n'est anodin, et en fait, avec l'électroporation, bah, on a remarqué que quand on dépassait un nombre d'applications significatives, à peu près 70-75 applications, c'est des applications très courtes de 3 secondes, bah, on pouvait avoir des hémolyses, et on a eu quelques cas d'hémolyses avec, vous voyez, un patient ici qui a, ça a été publié très récemment dans Europace, avec un patient ici qui a une créate qui est montée à 600, qui s'est renormalisée ensuite, hein. Et puis un autre patient ici, on en a eu à peu près 4 qu'on fait en tout, qui ont fait des hémolyses sévères liées à l'électroporation et qui se sont normalisées. On a retrouvé qu'en fait, cette hémolyse intravasculaire était en rapport avec le nombre d'applications, et à peu près au-dessus de 75 applications, on trouvait une différence significative sur le risque d'hémolyse intravasculaire, et tout ça va amener à des recommandations, notamment avec l'électroporation, quand on commence à s'appliquer, à s'adresser à la FA persistante, où à ce moment-là, il faudra hydrater plus les patients, les perfuser, pour diminuer ce risque d'hémolyse. Vous voyez qu'aucune technique est parfaite, on pense que l'électroporation, c'est vraiment la technique révolutionnaire, mais on découvre quand même, avec les études en vie réelle, des complications non négligeables. Alors on va passer, après cette revue des énergies, de l'électroporation, à d'autres thématiques, des thématiques sur les devices, non, c'est pas encore les devices, c'est encore l'ablation de fibrillation atriale. Ablation de fibrillation atriale, également une étude qui a été publiée en mois d'août et qui a été présentée à l'ESC. C'est une étude qui s'appelle Castle HTX, qui est une étude un peu surprenante. C'est l'ablation dans l'insuffisance cardiaque terminale. L'ablation de fibrillation atriale dans l'insuffisance cardiaque, entre guillemets, terminale, puisque c'était des patients qui étaient en liste d'attente de transplantation cardiaque, ou chez qui on a implanté une assistance ventriculaire. Et en fait, donc c'est vraiment les patients les plus graves où jusque-là on pensait que l'ablation par cathéter, c'était vraiment les plus mauvais tableaux. Et en fait, quand on voit sur ces patients, hein, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de FA persistance que de paroxystique. Ils n'ont pas eu forcément que les veines, ils peuvent avoir eu plus de gestes dans l'oreillette gauche, et qu'ils ont tous des devices implantables, des défibrillateurs biventriculaires. Et on voit qu'en fait, regardez, l'endpoint primaire, c'était un endpoint composite de défaites de toute cause ou d'implantation
d'une assistance ventriculaire ou d'une transplantation en urgence, eh bien, il y a un bénéfice extrêmement significatif dans le bras ablation de fibrillation par rapport au bras traitement médical, et sur un suivi extrêmement long, vous voyez, jusqu'à 720 jours, donc plus de 2 ans, une diminution du risque d'événements graves quand on les ablate de façon précoce. Donc c'est vraiment une étude qui est extrêmement intéressante dans ce contexte. Et si on va plus loin, regardez sur la mortalité toute cause, il y a un bénéfice de l'ablation par rapport au traitement médical. Et l'implantation d'un système d'assistance ventriculaire gauche également, il y a un bénéfice d'un bras ablation. Il y a très peu de patients qui ont une assistance ventriculaire, contrairement au groupe traitement médical. Donc bénéfice, hein, inattendu, dans un sous-groupe de patients extrêmement sévères, de l'ablation par cathéter. C'est la radiofréquence ici, hein, par rapport au traitement médical. Alors, une autre grande thématique, en cette année, on pourra en reparler dans cette année 2023, c'est la publication de deux études qu'on attendait avec impatience. C'est l'étude NOAAF-NET et c'est l'étude ARTESIA. C'est une étude sur l'anticoagulation d'événements de haute fréquence enregistrés sur des prothèses implantables. Alors, ces prothèses implantables, c'est des pacemakers, vous voyez, 80%, quelques défibrillateurs, 8%, des systèmes de resynchronisation, mais il y a également quelques moniteurs implantables type Reveal, très peu, mais il y en a. Donc, voilà, hein, c'est une étude pour évaluer le bénéfice de l'anticoagulation quand on enregistre des événements de haute fréquence, ce qu'on appelle des AHRE, des Device Detected Atrial High-Rate Episodes, des épisodes de haute fréquence atriaux validés dans les mémoires des stimulateurs cardiaques. Alors, c'est des patients de plus de 65 ans qui ont des événements de plus de 6 minutes. On les a randomisés soit un anticoagulant qu'on n'a pas en France, qui est l'edoxaban, versus placebo. Et vous voyez que la moyenne de durée de l'événement dans les mémoires de ces appareils et pratiquement de 3 heures, hein. Donc ce n'est pas 6 minutes en fait, hein. La moyenne c'est pratiquement 3 heures. Et bien, cette étude elle est extrêmement décevante et c'est une information très importante puisque sur le plan de l'endpoint primaire, strokes, embolie systémique ou décès toute cause, il n'y a pas de différence en fait qu'on les anticoagule ou qu'on les laisse sous placebo. Par contre, sur le plan des saignements majeurs ou du décès toute cause, ben si on associe les deux, eh ben, il y a une augmentation du risque d'événements d'hémorragie majeure ou de décès toute cause sous édoxaban versus placebo, donc étude vraiment négative en défaveur de l'anticoagulation. Alors quand même, il y a l'étude Artesia, et je crois que même si on la critique, l'étude Artesia elle est quand même relativement positive. C'est la même étude, enfin pas tout à fait la même, mais qui utilise, je dirais, le gold standard de l'anticoagulation, qui est l'apixaban. Un médicament qu'on connaît bien et qui en fait est encore à mon avis plus puissante parce qu'elle n'est pas versus placebo mais versus aspirine. Donc c'est apixaban versus aspirine. Et quand on voit le résultat sur l'endpoint primaire, et là aussi il y avait des défibrillateurs, des DEFBIV et des moniteurs implantables, la moyenne du temps en arythmie également de plus de 3 heures, hein, vous voyez que c'est pratiquement 4 heures. La moyenne. Et quand on voit le résultat, ben, il y a quand même un bénéfice significatif de l'apixaban versus l'aspirine, mais quand même pour des durées de moyenne de. Vous voyez que la plupart, alors il y a des événements, il y a très peu qui font moins de 6 minutes. Il y en a entre 6 minutes et 1h26%, mais la majorité, c'est des événements qui sont entre 1 et 12 heures. Hein. Donc vraiment, c'est considéré que la moyenne, elle est pratiquement à 4 heures. Et là, il y a un bénéfice de l'apixaban par rapport à l'aspirine. Par contre, quand on regarde les événements hémorragiques, ben ça c'est un peu le bémol de les mettre sous apixaban, il y a pratiquement 2 fois plus d'événements hémorragiques sous apixaban versus aspirine. Par contre, c'est l'élément important. Il n'y a pas de différence sur les hémorragies fatales. Ces hémorragies, en fait, c'est surtout des hémorragies gastro-intestinales, mais qui ne menacent pas le pronostic vital. En tout cas, il n'y a pas de différence. Il y a hémorragie majeure 86 versus 47, donc il y en a beaucoup plus. Et c'est surtout aux dépens des hémorragies gastro-intestinales 45 versus 20. Alors que les hémorragies fatales, il n'y a pas de différence significative. Donc c'est quand même un élément important
à signaler. Et si vous voulez faire un peu la comparaison avec les deux, je ne vais pas insister, mais il y a également un éditorial dans le même numéro que le numéro d'Artesia, d'Emma Svenberg, une Suédoise, et qui compare un petit peu les deux et qui fait une synthèse sur les deux. Donc, je ne vais pas reprendre tout cela, mais si vous voulez vraiment tout savoir, il faut aller voir cet éditorial qui est extrêmement bien fait. Et il y a même, en fin d'année 2023, a même été publiée déjà une méta-analyse des études sur de ces deux études, Noah Hafnet et Artesia. Effectivement, on c'est quand même en faveur de l'anticoagulation, mais le bémol, c'est quand même le risque de hémorragie, mais il y a quand même pas de différence significative concernant les hémorragies à risque vital. Alors. Et puis, j'en parlerai pas cette année, puisque dans l'année 2024, va être publiées les recommandations ERA-ESC concernant la fibrillation atriale, les nouvelles recommandations. En 2023, ont été publiées les recommandations nord-américaines. Je vous ai simplement tiré cette plaque sur ce qu'il faut faire à partir de Noah Hafnet, à partir d'Artesia, quand on enregistre dans les mémoires d'un stimulateur cardiaque des événements de haute fréquence, de l'AFA infraclinique, ben finalement, l'anticoagulation, elle est réduite aux patients qui ont un Schatzvasque très élevé et qui ont des événements de durée importante, au moins 6 heures, voire même 24 heures. Hein. On en est sûr ici. En tout cas, quand le Schatzvasque est à 0 ou à 1 et qu'on a des événements très courts, hein, jusqu'à 6 heures, voire 24 heures, il ne faut pas anticoaguler. Ensuite, quand le Schatz est intermédiaire, ben on est intermédiaire également, on est orange, et il faut anticoaguler, bien entendu, ici, quand on a affaire à des Schatzvasques élevés et quand les événements sont de durée importante. Alors, j'ai bientôt fini. Non, je suis dans les temps, je regarde ma montre. Il y a d'autres thématiques importantes dont on a parlé cette année. Vous savez qu'on parle beaucoup actuellement de cardio-neuro-ablation pour les syncopes réflexes avec asystolie, notamment chez les sujets jeunes, on ne sait pas comment les traiter. Mettre un pacemaker, ça marche, mais aller mettre un pacemaker chez quelqu'un de jeune qui fait des syncopes réflexes par asystolie, c'est quand même problématique. Eh bien, il y a une nouvelle technique, vous savez, une nouvelle technique qui est la cardio-neuro-ablation. Au lieu d'aller ablater dans les veines pulmonaires, on va repérer les ganglions parasympathiques et on va appliquer la radiofréquence dans ce cas-là sur ces ganglions. Et il y a pas mal d'études qui ont été publiées sur l'efficacité de cette cardio-neuro-ablation pour les syncopes réflexes asystoliques. C'est une thématique importante de cette année 2023. Vous voyez qu'ici, c'est une étude sur 135 patients multicentriques avec une efficacité de 83%. Ces patients n'ont pas eu de pacemaker et semble-t-il, c'est efficace. Hein. Mais pour l'instant, vous savez qu'il y a beaucoup d'effets placebo dans les syncopes parasystolie et il faut vraiment qu'on ait des études randomisées. Il y a eu une première étude randomisée, alors je ne sais pas si on peut déjà en parler, mais elle a quand même été publiée dans le JACIP, mais elle est extrêmement, avec une petite cohorte, parce que vous avez 24 patients dans le bras cardio-neuro-ablation et 24 patients dans le bras traitement non pharmacologique, et vous voyez que bah, la différence est hautement significative, avec une disparition des syncopes dans le bras neuro-ablation, mais bien entendu, je pense que si on veut faire une étude non critiquable, il faudrait faire une étude qu'on appelle CHAM, c'est-à-dire, attendez qu'il y a beaucoup d'effets placebo dans ce syncope cardio-inhibitrice, aller monter des sondes chez tout le monde et que le patient ne sache pas lui-même s'il a eu une cardio-neuro-ablation. Voilà, c'est une thématique importante dont on a parlé en 2023. Et puis, en 2023, je vais passer vite, mais on a encore beaucoup parlé d'une sorte de révolution dans la stimulation cardiaque conventionnelle, qui est la stimulation physiologique. Ça s'appelle la stimulation de l'aire de la branche gauche. On ne parle plus de stimulation de la branche gauche, mais de l'aire de la branche gauche, en allant positionner une sonde vissée sur le septum et en allant stimuler dans l'aire de la branche gauche avec un affinement considérable du QRS, avec un électro qui ressemble à un électrocardiogramme non stimulé. Alors, vous avez ici tous les critères qui nous permettent de dire qu'on stimule de façon efficace la branche gauche avec des cathéters qui ne sont pas tout à fait dédiés, mais on sait de mieux en mieux faire la stimulation de la branche gauche. Et si il y en a que ça intéresse, en cette année 2023, a été publié dans EuropeS un consensus, je vais trop vite, un consensus
clinique sur l'état de l'art dans la stimulation de la branche gauche. Je pense que c'est un outil qui est très utile pour tous les implanteurs qui démarrent dans la stimulation de la branche gauche. Et puis, vous savez qu'actuellement, c'est peut-être trop beau parce que toutes les études qui sont publiées sur l'aire de la branche gauche, la stimulation de l'aire de la branche gauche semblent positives. Et il y a même des études qui comparent la stimulation de l'aire de la branche gauche dans l'insuffisance cardiaque désynchronisée avec la stimulation biventriculaire et qui semblent montrer que c'est supérieur. LBBAP est supérieur, ici c'est les insuffisances cardiaques ou le décès, supérieur, c'est une étude par appariement, hein, 1778 patients, 980 patients, à peu près 900 patients dans chaque groupe, avec un bénéfice sur la mortalité et un bénéfice sur l'insuffisance cardiaque. Tout ça mérite d'être prouvé dans des grandes études randomisées. On n'a pour l'instant absolument pas d'études randomisées. Puis je finirai par quelque chose d'important quand même. On sait que depuis 2013, on implante des stimulateurs sans sonde ventriculaire. Et en cette année 2023, a été publiée la première étude validant la faisabilité dans le New England en mai 2023, validant la faisabilité d'aller implanter un double chambre sans sonde, avec un leadless dans le ventricule droit, un leadless dans l'oreillette droite positionné habituellement sur le toit de l'auricule droit avec une excellente efficacité. Les deux conversent entre eux, c'est des device à vis, un stimulateur qui s'appelle l'AVER, AVER-AR, avec ici les complications qui sont extrêmement faibles et un très bon fonctionnement à long terme. Et probablement, ça a amené à des indications étendues de la stimulation sans sonde dans le futur. Ça, c'est un des premiers patients qui avait fait partie de cette étude du New England et qu'on a mis dans le service, c'était il y a 2 ans à peu près, avec ce device sans sonde dans l'auricule droit, ce device sans sonde dans le ventricule droit, et qui vont communiquer entre eux pour effectuer de la stimulation cardiaque double chambre. Alors voilà ce que je voulais vous dire concernant ce que j'ai retenu en 2023 en rythmologie et stimulation cardiaque. Je crois qu'on peut conclure en disant que on confirme les relations entre la FA et le déclin cognitif, et puis, nouveau, efficacité de l'ablation qui semble diminuer sur le long terme ces déclins cognitifs. Le développement, la validation, on en reparlera encore en 2024 de l'électroporation, plus sûr, plus efficace, point d'interrogation. L'efficacité également de l'ablation de la FA dans les insuffisances cardiaques très évoluée. Les résultats ambivalents, hein, vraiment, c'est le terme, de l'anticoagulation dans la FA infraclinique, résultat de NOAAFNET et d'Artesia. Il va falloir réfléchir à comment on va appliquer cette stratégie pour nos patients. Une technique prometteuse pour les syncopes réflexes, la cardiorégulation. Le développement rapide de la stimulation de l'aire de la branche gauche, mais ça mérite qu'il y ait de grandes études randomisées pour le valider. Et puis, une étape supplémentaire dans la stimulation sans sonde avec la stimulation double chambre sans sonde. Voilà, merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, très bien, merci beaucoup Pascal. Walid Amara est arrivé. Bonjour Walid. C'était très clair comme un lisuel. Merci beaucoup Pascal. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Et donc, au Je passage, voulais. voilà, rappelons que les trois Et... livres du groupe de rythmologie que tu présentes sont en vente sur le site du groupe de rythmologie de simulation cardiaque. Walid, tu veux peut-être poser une question ou sinon je Ouais, t'en une laisse. petite question, Pascal. J'ai vu récemment, en fait, c'était par rapport à l'électroporation, parce qu'on ne parle que de ça. Je te remercie encore d'avoir mis en avant, attention, les nouvelles complications qu'on peut avoir, telles que hémolyse, hémodialyse ou l'angor spastique. Je pense nous, on n'en a pas vu. Et je crois que, en fait, c'est une hémolyse. Il y a quelques cas, effectivement, dans un registre nord-américain manifeste AF, mais nous, on n'en a pas eu. Hein. Cette hémolyse, en fait, elle est réversible. Et en fait, c'est un dépôt de corps hémolytique dans les tubules rénaux. Et en fait, avec une hyperhydratation et en faisant boire, ils n'ont jamais eu d'anurie. Et ils ont une diurèse préservée. Et en fait, ça se normalise parfois longtemps après, mais on n'a pas eu de dialyse. Corrélé Il au nombre semble de que tirs, c'est non? lié au nombre de tirs. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont eu beaucoup de tirs, en fait. Voilà, dans la FA persistante. Et je pense que ça nous amène à être un peu prudent et à réduire un peu le nombre d'applications dans la FA persistante. Et puis, d'hyperhydrater les patients quand ils ont eu beaucoup de tirs. Et voilà, charge à nous sera de prouver qu'avec toutes ces précautions, il y en a plus. Ben, je crois jamais oublier que nous, éblateurs, on est des destructeurs et que des fois, nos outils vont un peu plus loin que ce qu'on veut faire. Faire attention. Moi, j'ai une question à C'est te poser facile. par rapport à Noah et Artesia. Comment tu gères ta télécardiologie maintenant quand tu as, qu'est-ce que tu as donné comme instruction à tes infirmières
pour te contacter afin que tu instaures une anticoagulation, à partir de quel FA tu veux être appelé? Non, c'est vraiment une très bonne question. Je pense que on nous signale, nous, quand il y a une FA qui fait plus de 6 minutes, mais on n'en tient pas compte. Voilà, je pense que c'est pas si facile que ça, parce que il faut adapter au cas par cas quand même. Hein. Vous l'avez bien vu, un patient qui a un CHA2DS2 vasque très élevé, on va réduire un peu la durée pour laquelle l'anticoagulation va être appliquée. Je pense au cas par cas. Donc moi, je continue à ce qu'on me signale quand il y a des arythmies. Ah, tu leur as pas donné d'instruction. Mais il faut avouer que c'est quand même un peu dérangeant. On se demande même si l'équation FA persistante égale FA paroxystique sur le plan du risque thromboembolique est juste. On a quand même Non, l'impression qu'une FA persistante, oui, il faut se méfier, il ne faut pas se balader avec une FA persistante et que personne ne le sache. Ça va mal se terminer. Mais une FA paroxystique, c'est pas pareil quand même. Hein. Enfin, c'est l'impression il y a quand même que une je différence donne. entre cette FA asymptomatique recueillie par les mémoires et la FA clinique. C'est peut-être pas tout à fait la même chose. Là, c'est plus un marqueur du risque qu'une responsabilité directe. On avait déjà bien vu qu'en fait, il n'y avait pas un rapport temporel entre la survenue de la FA et la survenue de l'AVC. Ça, on le sait maintenant. C'est pas aussi facile que ça, la médecine. C'est un art. Et toi, tu mets ton seuil où alors? Bah, 24 heures, c'est sûr que je pense qu'il n'y aura pas trop Non. de débat, surtout avec la route américaine. Est-ce Je que c'est pense, 5 heures? je raisonne au cas par cas, mais il D'accord. est clair que au cas par, je peux pas donner de. Cette étude nous force à nous poser des questions, ça c'est sûr. On ne va pas anticoaguler systématiquement des patients dès qu'on détecte, comme on l'avait pensé à une époque, il y avait une étude qui s'appelait ACERT, à partir de 6 minutes, quasiment, on anticoagulait. On n'en est absolument plus là. Je pense qu'il faut raisonner au cas par cas, et c'est probablement des durées beaucoup plus élevées qui amènent à l'anticoagulation. Il faut savoir que dans le CHA2DS2 vasque, il y a l'AVC. Il y a l'AVC dans le CHA2DS2 vasque avec 2 points, mais moi je me demande, enfin, l'AVC, ça veut dire qu'on est en secondaire. Est-ce qu'on peut mettre l'AVC Tout à avec fait les deux? différent. Non, non, mais là, on parle vraiment de prévention primaire. C'est des patients qui n'ont jamais fait d'AVC. Là, quand ils ont fait un AVC, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Oui, Hein. Ouais. mais quand ils ont fait un AVC, qu'ils sont un AVC cryptogénique, c'est-à-dire qu'un AVC sur lequel tu trouves une FA à 6 minutes, est-ce que tu considères que ça a cette valeur-là? Il y a un certain nombre d'études qui sont en faveur de l'anticoagulation. Je pense que là, on est dans nos AFNET et Artésia, on n'est pas du tout dans cette problématique-là. C'est vraiment des patients qui n'ont jamais fait d'AVC, qui sont asymptomatiques sur le plan neurologique, enfin, et chez qui on détecte une arythmie. Donc, il faudrait sortir les AVC des chasse-vasques. Ouais. C'est un autre cadre, là. Hein. Tu voulais dire que tu as des questions, Walid, ou sinon j'en ai. Non, c'est juste, est-ce que toi, l'électroporation, tu la vois que pour les veines ou tu la vois au-delà des veines? Vraiment, moi, je pense que l'électroporation, c'est un outil utile pour faire beaucoup plus que les veines. Parce que je pense que vous avez vu, Advent, on voit bien qu'en fait, il n'y a pas de différence significative. On a des outils qui font très bien les veines aussi. Hein. La cryo, ça fait extrêmement bien les veines, il ne faut pas l'oublier. Hein, je veux dire. Par contre, on veut faire plus que les veines. En fait, au lieu d'avoir des technologies pour lesquelles on va mettre 3 heures en faisant des systèmes de cartographie, des lignes point par point, ben, un quart d'heure, 20 minutes, on peut réaliser une ablation de FA persistante en faisant plus que les veines. Simplement, je pense qu'on voit bien qu'il va falloir être plus lent. Il va falloir que ces systèmes y soient intégrés à des systèmes de cartographie pour qu'on puisse être encore plus efficace. Et je pense que les années qui viennent vont voir qu'on a un peu changé d'époque sur l'ablation de cette FA persistante. Et pour certains patients, il y a probablement certains patients qui sont dépassés, mais il y a un certain nombre de patients pour lesquels on sait bien que l'ablation uniquement des veines ne suffit pas. Et là, on a un outil qui est efficace et qui est rapide. Hein. Passer 3 heures à faire une ablation de FA persistante, je pense que c'est pas bien, il faut avancer. Je pense que ça permet de diminuer, vous savez qu'on parle beaucoup d'alcoolisation du Marshall. Je pense qu'avec l'électroporation, ça va faire disparaître ces techniques pas toujours faciles à faire. Ouais, donc on est en train d'évoluer effectivement vers une technique qui est plus. Il y a eu la période où on faisait de la cartographie, on essayait de savoir où, de repérer où le plus précisément possible. Là maintenant, l'impression d'aller plutôt vers une ère où on a un bon outil de destruction qui casse pas à côté. On réduit la masse critique de façon extrêmement rapide. Ensuite, il faut éviter que ça évolue vers les flotteurs gauches, bien entendu.
Et donc, les systèmes de cartographie nous ont aidé à ça, vont nous aider à ça. Moi, je pense que les années qui viennent, si on peut faire un pari, tous les industriels arrivent avec l'électroporation. On le voit bien, tous, hein, et il n'y en a pas un qui va manquer, je pense. Et donc, c'est, à mon avis, une énergie de demain, quand même. Est-ce que les flotteurs gauche, il y a des flotteurs gauche avec l'électroporation? Bien Il y sûr en qu'il y a des. a. Il y en a. D'accord. Pas plus qu'avec les autres techniques. C'est-à-dire que quand on s'adresse à plus que de la FA paroxysique, on fait plus que les veines, bien entendu, on va pouvoir laisser des gaps, hein, et il y en a. Mais c'est peut-être une étape, en fait. Et dans ces FA persistantes, anciennes, qui est une étape avant d'aboutir vers un rythme sinusal, bah, c'est peut-être le prix à payer. Je voudrais rappeler à l'audience que vous Hein. pouvez poser des questions, hein, si vous souhaitez, dans le chat. Moi, ce que je retiens quand même, tu nous as, dans cette overview, mis le paquet sur la FA quand même, hein. Après, bon, tu as fini avec la simulation, mais Il y a les bon, deux, quand même. Vous cognitif. avez les deux, hein, les deux évoluent, Tu hein. nous as parlé du cognitif, la FA et de ses conséquences cognitives et de l'effet de l'ablation pour inverser ça, ce qui est quand même assez fou. La progression donc de traiter la FA paroxystique, l'empêcher de devenir une FA persistante qui est plus grave, que d'aller même jusqu'à l'insuffisance cardiaque terminale, donc il y a montré les études une étude qui nous a montré ça. Et puis, bon, après, tu nous as parlé des nouvelles technologies et puis des effets secondaires. Alors, au-delà de l'hémolyse, il y avait d'autres choses. Là, tu as parlé de spasme, etc. Je reste sur les. Ouais, le spasme, j'en ai pas beaucoup parlé du spasme coronaire parce que finalement, enfin, moi, dans notre expérience ici, on a fait plus de 500 électroopérations. On a eu un cas de spasme coronaire, mais ce n'est pas vraiment une complication que j'ai retrouvée. Donc, c'est cité, effectivement. Mais je pense que ce n'est pas si fréquent que ça, ce spasme. Et pourtant, nous, on ne fait pas de trinitrine en préventif, notamment quand on fait. C'est vrai, il y a eu quelques cas dans Manifeste, 17 cas, c'est les 17 000 patients d'Europe essentiellement, quelques cas de spasme, quelques cas d'hémolyse qui en général récupèrent. Il y a eu des hémodialyses hein, quand même, peut-être pas, parce que les gens, ils n'ont pas, c'est la vie réelle. Et voilà, mais en fait, ils ont tous récupéré sur les hémolyses, ils ont tous récupéré leur fonction rénale. Et les spasmes, ça peut donner éventuellement une AV, mais bon, Oh après, tu bloques, tu as un DEF, voilà, tu les on choses. n'a pas vu, on n'a pas vu ça. Ah bon, bah, mais c'est plus lié peut-être au nombre de tirs. Et je pense que si on est raisonnable au début, ça devrait aller. Oui, mais on a fait beaucoup. En fait, si je vous montrais nos statistiques, nous, on fait à peu près 60% de persistantes et on fait beaucoup plus que les veines sur la PFA. Et pourtant, on n'a pas. Le spasme, ce n'est pas une complication qu'on a retrouvée de façon fréquente. Merci, en tout cas, tu nous rassures. Concernant la Tu nous rassures. stimulation, donc il y a cette révolution de l'aire de la branche gauche, comme tu as dit, c'est l'aire hein, de la branche gauche, puisqu'on est à peu près dans la région. Et qu'on arrive à attraper avec l'électricité et son champ électrique le système physiologique. Tu penses, enfin, tu as parlé des études très petites, des études randomisées, et puis des études de registre. Est-ce que pour les centres en France ou à l'étranger qui n'ont pas accès ou qui ne sont pas pu être formés, ou qui n'ont pas les moyens, parce que 3 sondes, ça coûte cher, d'avoir des systèmes de CRT, tu penses qu'on va pouvoir traiter des patients avec des doubles chambres, des patients désynchronisés avec des doubles chambres correctement? Enfin, c'est ce que tu en as eu l'expérience toi-même? Tu veux dire, est-ce que les centres qui font pas de resynchro, ils vont pouvoir. Ah non, Oui. je pense que c'est comme une technique d'expertise. Hein, et je pense qu'il ne faut pas non plus aller trop vite non plus, parce que pour l'instant, on n'a pas de grandes études randomisées. La stimulation biventriculaire est une technique qui marche quand même extrêmement bien. Hein, je pense qu'il ne faut pas non plus aller trop vite. Hein, et Non, puis. peut-être pas par rapport aux centres qui ne vont pas la resynchro. La question, c'est actuellement, la pose de ces stimulateurs sans sonde est réservée à des centres Non, c'est pas qui la ont des chanson. chirurgies cardiaques Non, sur site. on parlait pas de la chanson, là, on parlait de En la. gauche. Pas de la Oui, stimulation de branche gauche. je parlais de branche gauche, je parlais dans les pays, Oh, des pays pardon. qui sont pas, qui n'ont pas accès aux triples chambres, qui n'ont pas d'appareil, tout simplement. Hein. Tu sais, j'en ai parlé, moi je participe beaucoup à former certains médecins de pays d'Afrique, notamment du Nord ou subsaharien. Et Walid connaît encore mieux ça, ces pays-là, d'Afrique du Nord. Et en fait, on s'aperçoit que la stimulation de la branche gauche, c'est pas moins cher. Hein. Ça coûte. C'est des nouvelles technologies. Il y a une sonde, une gaine, et ils vendent ça très cher. Je ne suis pas sûr que ce soit très économique, en fait, pour l'instant. Donc, je ne suis pas sûr que pour une raison économique, ça puisse être la solution.
D'accord. Alors, la question, la deuxième question, peut-être c'est toi qui voulais la poser, Walid. Je pense Oui. qu'on. Ah oui, la deuxième question, c'était, je suis allé trop loin dans ma réflexion, c'est de dire qu'actuellement, ces simulateurs d'Alexandre Sonde en France sont limités à des centres qui ont la chirurgie cardiaque. C'est vrai que, à condition d'être raisonnable, je veux dire, les centres qui ont l'ablation de FA, ils n'ont pas tous la chirurgie cardiaque, mais ils ont de la chirurgie vasculaire où ils peuvent aller drainer des plaies cardiaques également. C'est vrai que soit, je sais bien qu'il faut les limiter à des indications où les pacemakers sont pas, peut pas mettre ni par là, ni par là et qu'on est coincé, mais que c'est coûteux, mais c'est vrai que ça limite les centres et qu'on voit bien que dans les statistiques, dans les registres, le taux de complication est très faible. Comment toi tu vois les choses? Bon, maintenant c'est gravé dans le marbre, mais pour le dégraver, ça va être compliqué. Comment tu vois les choses? Parce qu'on se dit une ablation de FA, c'est quand même plus risqué que mettre un stimulateur cardiaque sans sonde. En toute. Ouais, non, je comprends ta position. C'est quand même ces complications sont rares, bon, dans des centres qui sont maintenant quand même très très bien entraînés. Quand on regarde avec l'AVER, l'étude qui a été publiée, le registre, on s'aperçoit qu'il y a quand même des tamponnades et que quand il y a une tamponnade, dans 50% des cas, en fait, il y a une sternotomie. Et donc, on voit bien que c'est quand même pas les mêmes tamponnades, parce qu'effectivement, il y a autant d'épanchements, je pense, avec en stimulation conventionnelle qu'en stimulation sans sonde. Mais quand il y a un épanchement en stimulation sans sonde, si on n'a pas un chirurgien cardiaque sur place, le patient meurt. Alors c'est vrai que c'est faible, mais c'est une mort qui va être illégitime, quoi. Moi, je suis prudent. Je suis prudent quand même parce que c'est vrai qu'on en a plus, mais parce qu'on est vraiment hyper entraîné et qu'on est des centres à gros volume. Alors, ouais, c'est embêtant, c'est vrai que ça limite les possibilités que ces patients en profitent. Ça, je suis d'accord. Alors, comment faire? Comment s'organiser? C'est une grande discussion. Mais de là à me faire dire qu'il n'y a pas besoin de la chirurgie cardiaque, j'ai un peu de mal parce que vraiment, quand on en a, même si c'est rare, c'est utile. J'ai une autre question Mal. concernant le pacemaker sans sonde. C'est pareil. Donc, tu es grand spécialiste du pacemaker sans sonde, puisque tu as fait les premiers doubles chambres, les vraies doubles chambres, hein, là, c'est plus du VDD. Ma question, c'est est-ce qu'il y a des inconvénients à ces doubles chambres qui essayent donc de. Bon, qui sont chères, hein, ça c'est clair que d'acheter deux appareils comme ça, c'est peut-être l'avenir quand même, mais. À condition que ce soit divulgué par contre. Hein. Mais cette technologie qui est une prouesse. Est-ce que vous avez des problèmes? La durée de vie des deux appareils, par exemple, est la même, celui d'Atrial et le ventricule? Non, c'est une très bonne question. En fait, non, la durée de vie n'est pas la même. C'est pour ça que, en fait, cet appareil, il a été conçu pour pouvoir aller le récupérer. Moi, je pense que, encore une fois, si on veut que la stimulation sans sonde se développe, il faut qu'on puisse aller les chercher. Sinon, ça reste une stimulation de l'octo du nonagénaire, du patient très âgé. En fait, moi, ma grande question, c'est vraiment, que faut-il implanter à une patiente jeune qui a un BAV congénital et qu'on implante à l'âge de 18 ou 20 ans. Si on implante un stimulateur avec sonde, un jour ou l'autre, elle aura des complications. Moi, je trouve que c'est des décisions terribles d'aller implanter des stimulateurs et des gens jeunes, ils auront une succession de changements de boîtier. Un jour ou l'autre, ils auront des problèmes de sonde, de thrombose, d'infection et ça peut finir mal. Alors que de mettre un stimulateur sans sonde, on voit bien qu'on a beaucoup moins de complications sur le long terme. Par contre, à cet âge-là, il faut pouvoir aller le chercher. Alors, ces deux appareils ont des durées de vie qui sont différentes, mais c'est des vis avec un outil qui permet d'aller le ressortir, le dévisser et d'essayer d'aller le rechercher. Le stimulateur qui est dans l'oreillette, en fait, il va avoir une longévité plus faible, vraisemblablement, parce qu'il est plus court. Pour pas qu'il gêne le fonctionnement, et dans l'oreillette, il faut que ça soit plus court, hein, la cavité est moins large, et il faut qu'on puisse aller le chercher. L'endroit où elle se situe, on les met dans le toit de l'auricule droit, et c'est assez direct pour aller le crocheter et aller le dévisser. Et on en a enlevé, puisque les pannes du précédent dispositif, qui s'appelait le NanoSteam, nous ont permis de valider l'extractibilité de ces dispositifs. On en a enlevé jusqu'à peu près 8-9 ans, et encore récemment, sans trop de problèmes. Donc, je pense qu'il y a une possibilité, il ne faut pas oublier d'aller les chercher, en tout cas certains de ces appareils. Eh bien, on a fait pas mal de tours. Je ne sais pas si vous voyez, tu as d'autres questions? C'est très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un énorme plaisir de t'avoir sur ce best-of de l'année Ericmo. Et je te remercie encore parce que c'est toi-même qui me l'as proposé. Je trouve ça super. On était très contents de t'avoir avec Jérôme. Il y avait comme une audience assez importante. Merci à l'audience. On continue les webinaires du CNCH. Le prochain, c'est jeudi.
qui va parler sur un autre sujet de RIPMO, c'est la pose des moniteurs cardiaques implantables hors du bloc opératoire. Et en tout cas, merci Pascal, merci Jérôme et merci à tous et à Merci à très toi. très bientôt pour notre webinaire. Au Merci et revoir. bonne soirée. Merci.